double Olympic gold medalist Roman Hagara wins the opening act of the Extreme Sailing Series in Singapore. Yes, definitely, we are all thrilled. I mean, it's great. The young guys did a great job, and I think also our experience was very helpful. And I think together as a team, it was outstanding for us. Soaking up the pressure of expectation in front of a massive crowd, he and his newly formed team becomes kings of Marina Bay after 32 hard-fought races. I think it's the first time that a newcomer is coming in the game and would win the first act. The team from Austria has the point advantage heading into the final day, and Roman holds his nerves despite the onslaught from ACP Extreme Sailing Team. Definitely, we showed that we can do it, and the last season we had not so much luck, and now everything went well for us in our way, and I think we are quick up and down wind now, and good decisions on the race courses, so everything fits well together. The battle going down to the last few meters of the final race, eventually denying ACP Extreme Sailing Team the Singapore's trophy. Yeah, I think, you know, this is a new year and we have done a regroup in the winter and been looking at some of the mistakes we did last year, and I think we are quite determined to try and pull off a good season. With the Wave Muscat running out the podium positions, the 2015 Extreme Sailing Series is well and truly up and running. L'équipage chinois Dongfeng Race Team, skippé par Charles Caudrelier, remporte une superbe victoire à domicile dans la Inpo Race samedi dernier. Le mélange de régatiers chinois, français et suédois est à son meilleur niveau et repousse les assauts répétés de Yann Walker. Dongfeng arrache la victoire à Sanya devant une foule en total délire. Un peu plus tôt, et à la surprise générale, Caudrelier annonce un changement d'équipage pour la quatrième étape. La moitié de l'équipe qui avait triomphé à l'arrivée à Sanya n'est pas à bord du bateau chinois. Parmi les quatre changements, le plus spectaculaire est le remplacement de son navigateur Pascal Bidégory par le français Erwan Israël. Selon le skipper, ces changements étaient prévus et permettent à certains de se ressourcer. La flotte de la Volvo Ocean Race prend le départ dimanche en direction d'Auckland dans une brise légère mais qui était appelée à se renforcer très vite. Une fois de plus, l'équipe de Dongfeng ne laisse à personne le soin de naviguer aux avant-postes et quitte son port d'attache comme elle était arrivée, en tête. Les cinq concurrents sont maintenant au près par 25 nœuds de vent pour une étape qui sera longue et difficile. Pendant ce temps, la première partie de l'étape des 5300 milles entre Sanya et Auckland ne présente, a priori, pas de difficultés majeures pour les 175 000 skippers virtuels. Par contre, le passage de la bouée situé à l'extrême nord des Philippines marque le virage vers des zones de navigation très complexes. Tracer sa route dans le Pacifique Nord via la Nouvelle-Guinée et se frayer le meilleur passage possible dans le dédale des îles de Mélanésie, à travers la mer des Salomon et l'archipel des Vanuatu, ne va pas être de la tarte. Bref, une étape où les coups stratégiques ne vont pas manquer. Face Ocean. Retenez bien ce nom, Face Ocean. Je reviens vers vous très bientôt avec plus de détails sur ce fabuleux projet.